Étudier à l'ENTPE, c'est être amené à travailler plus tard dans les secteurs de l'habitat, de l'urbanisme, des espaces de vie et du transport. Ce sont des secteurs à impact parce qu'ils représentent environ 60% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc c'est des secteurs où c'est vraiment intéressant de travailler et où il y a de la matière à amorcer la transition. Et travailler dans ces domaines, c'est aussi travailler pour un mieux vivre ensemble sur nos territoires, mieux vivre ensemble entre les hommes et les femmes et mieux vivre ensemble avec la nature et l'environnement qui nous entoure. Il n'y a pas vraiment de profil type d'étudiant à l'ENTPE. Moi, par exemple, je viens d'une prépa MP, maths physique, où il y avait très peu de filles dans la classe par rapport au nombre des garçons. Et arrivée à l'école, à l'ENTPE, on est autant de filles que de garçons. Donc ça, c'est une vraie spécificité pour une école d'ingé. Et on a accès à l'ENTPE depuis toutes les prépas scientifiques, même les filières bio. Et cette année, on a atteint les 28% d'élèves arrivant de BCPST. À l'ENTPE, on peut avoir le statut civil ou fonctionnaire, sachant que les étudiants fonctionnaires sont rémunérés pendant leurs études. Du point de vue du cursus, il n'y a pas de différence, on suit les mêmes cours, on est dans les mêmes classes. Et cette mixité des cultures, elle permet une meilleure compréhension des deux secteurs, public et privé, qui va être un atout dans notre carrière, et encore plus parce qu'on va être amené à travailler dans les métiers de l'aménagement du territoire, qui vont forcément mettre en relation des entreprises privées avec des acteurs publics. Moi, à l'école, je suis dans l'équipe de volley, mais à l'ENTPE, il y a plus de 40 sports qui sont possibles pour les étudiants. Et on a nos propres infrastructures sportives sur le campus, avec notre gymnase, notre piscine, nos terrains de tennis. Et le fait d'être une école à taille humaine, ça permet de pouvoir intégrer plus facilement des équipes qui vont aller faire des compétitions. Et on a d'ailleurs de très bons résultats sportifs. Par exemple, cette année, on est champion de France de badminton. Mais ça, c'est aussi parce qu'on a de très bons supporters. Moi, à l'ENTPE, parmi les 70 clubs et associations qui existent, je suis engagée dans le club Green TPE. C'est un peu le club écolo de l'ENTPE. Et ça me permet de réaliser des actions concrètes déjà dans l'école, avec par exemple l'entretien du compost, l'organisation d'une friperie circulaire ou la mise en place d'un jardin partagé. Mais étudier à l'ENTPE, ça permet aussi de s'engager pour le futur et de donner du sens réellement à son métier et à sa carrière.